six mois. The blood will say, the dead will hear, the dead will live again. The lamb will live, the dead will speak, the bread they call the lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy even the blood? Voilà, voix. Hello tout le monde, moi c'est Jean Ouyouyou, votre général de la voix. Aujourd'hui j'ai sorti le micro, hein, n'est-ce pas, hein? Oui, oui. Il y a un peu les foulards, hein, les écharpes, il fait froid. N'oubliez pas de vous couvrir. Je vais vous montrer la différence vite fait entre riff et rock. Riff et rock. Tout ça, ça forme des vibes. Et les vibes, en langage musical vraiment conservatoire, on dit les adlibs. Les adlibs et tout, les improvisations. Donc voilà. Les riffs. Riffs, ça veut dire chanter la même chose un peu tout le temps. Donc ça veut dire les débuts de morceaux, par exemple, ce sont des riffs. Ou bien une mélodie qui se répète plusieurs fois, comme une coda, c'est un riff. Maintenant, vocalement parlant, qu'est-ce que ça donne? Ça fait... Ça, c'est un riff. Là, c'était à la fin. Un run. Non, c'est run, bizarre. C'est différent. Là, vous avez compris c'est quoi un riff. Un peu comme si on faisait l'écho, quoi. Ça, c'est un riff venir d'en haut et descendre jusqu'en bas. Donc, ça fait... Le run, c'est courir. Run, 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 c'est courir. C'est une note. On peut la prendre du plus aigu pour descendre au plus grave, ou du plus grave pour monter au plus aigu. Par exemple, ça fait... Maintenant, si on mélange les deux, de toutes les manières, on peut que mélanger les deux, le run et les riffs, ça fait... Faire des runs et faire des vibes. En gros, quelle est la différence? The blood will see, the dead will hear, the dead will live again. The lamb will live, the dead will speak, the bread they call the J'aime beaucoup ton grandfather. Moi, c'est Jaja Ouyouyou, votre général de la voix.